HTA à trop, c'est bon, il complète son syndrome métabolique, tout simplement. Je m'en fiche, syndrome métabolique, ta foule, allez. Je suis Zekohavin ou par cœur. On m'a dyslipidémie hétérogène, il y a. Hypertriglycéridémie, hypo-HDLémie. Je suis hier. Enfin, ça va très bien. L'obésité androïde, il y a le critère obligatoire. On ne peut pas parler de syndrome métabolique sans obésité androïde. Supérieur à 80, un tour de taille qui est supérieur à 80 cm chez la femme et 94 chez l'homme. Mais avec ce critère obligatoire, il y a au moins deux autres critères. Donc, soit dyslipidémie, soit l'HTA qui est connu, traité ou à la primo-découverte, soit diabète ou à la pré-diabète. D'accord ? C'est le syndrome métabolique avec Aorta. Donc le diabète de type 2, c'est plutôt, ça plaide en faveur du syndrome métabolique, c'est l'HTA essentiel. B, je crois que tous les hyperthyroïdies, et l'hyperparathyroïdie, mais généralement, alors l'hyperthyroïdie, l'hyperparathyroïdie, c'est des... Les patients ne consultent pas généralement pour HTA. Mais c'est mineur. Déjà, l'hyperthyroïdie, c'est une HTA qui est systolique. Juste la tension artérielle systolique qui est élevée par élévation des débits, du débit cardiaque. Par contre, les résistances périphériques sont diminuées, donc on tente que je suis HTA diastolique. Tant que le patient 16-7, 16-8, 16-6, d'accord ? C'est une HTA systolique. L'hyperpara, c'est ce qui fait l'HTA par les dépôts calciques, maintenant, au niveau la médiacalcose, au niveau des vaisseaux. Mais ce n'est pas vraiment les causes, surtout, les patients qui consultent surtout pour HTA. Mais, quant au lit, donc, le phéochromocytome, la chromégalie, l'hyperaldostéronisme primaire et le syndrome de Cushing. Hyperthyroïdie aussi. Hyperpara. Je suis au diabète type 2. Je m'en joue tout le coup. Oui, t'as hyperinsulinisme, mais le diabète type 2, c'est un tableau de syndrome métabolique, c'est pas une cause d'endocrinopathie. Et associé au syndrome métabolique, voilà. C'est le syndrome métabolique colo. Ou je n'ai pas physiopathologie, mais en syndrome métabolique, c'est l'hyperinsulinisme. C'est l'insulinorésistance qui entraîne un hyperinsulinisme. C'est pas le diabète de type 2 qui va induire une HTA. C'est le phéo qui entraîne l'HTA. Tu traites le phéo, tu n'as pas l'HTA. Fait diabète de type 2, on traite le diabète de type 2, mais tu n'as pas l'HTA. C'est une HTA qui s'associe au diabète de type 2 dans le cadre du syndrome métabolique. Quand on a une physiopathologie qui est commune, le syndrome métabolique, les anomalies, le col, c'est l'insulinorésistance. Et qui entraîne le tout. Les troubles lipidiques, l'HTA, le stress oxydatif avec l'atteinte vasculaire, le tout. Mais ce n'est pas une endocrinopathie responsable d'HTA. C'est bon la nuance. Les endocrinopathies responsables d'HTA, la chromégalie, l'hyperaldo, le syndrome de Cushing, l'hyperpara et l'hyperthyroïdie. Le diabète, c'est le syndrome métabolique. C'est une HTA essentielle, le syndrome métabolique. Mais c'est une HTA secondaire. Tu vois, c'est la secondaire. Quand on traite la cause, l'HTA disparaît. C'est terminé, non ? Qu'est-ce que vous allez chercher, hein ? Mélanodermie. Allez, je mélanodermie. Mélanodermie, j'en crois. Allez, mélanodermie, c'est pas ça. ACTH dépendant, oui, ok. Mais retenez, une mélanodermie, c'est surtout caractéristique de l'insuffisance surrénalienne. Ok, mais là, le mélanodermie, c'est un caractère qui est souvent de mélanodermie, mais je suis en train de faire plutôt que je suis en train l'insuffisance surrénalienne. La mélanodermie, c'est un signe d'appel, l'insuffisance surrénalienne, la maladie de Cushing. Mais il y a beaucoup d'autres signes d'appel. On peut ne pas trouver la mélanodermie, la maladie de Cushing. C'est vrai que les mecs sont allés sur la mélanodermie. La maladie de Cushing, le syndrome de Cushing, ACTH dépendant. Je parle, ta femme a une tumeur qui sécrète en excès l'ACTH, qui va agir sur les surrénales, qui vont en sécréter en excès le cortisol. Voilà. Donc, les tumeurs qui sécrètent, il y a un adénome hypophysaire.
qui sécrète la CTH, liée aux pathologies très rares, l'Aqiqa, par rapport au syndrome de Cushing périphérique, ou elle est paraneoplasique, c'est des tumeurs malignes qui sécrètent de façon paraneoplasique la CTH. Or, tu as une CTH vraiment très importante, ça va entraîner une mélanodermie. La maladie de Cushing, elle est rarement observée. Mais allez, la CTH, elle est sécrétée sur quelle forme? Qui fait qu'elle est sécrétée, la CTH, t'as le fouche? Retenez une mélanodermie qui est une cas clinique sur l'examen, on retrouve la mélanodermie. Là, il faut dire qu'il y a l'insuffisance surrénalienne, là. À la maladie d'Addison. Tu as le syndrome de Cushing comme beaucoup d'autres signes plus parlants que la mélanodermie. C'est féminin. C'est clair, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Mais il y a le syndrome de Cushing. Je peux chercher là où je veux. Les filles, je vais chercher comme là, ouais. L'obésité facio-tranculaire. Très bien. La répartition, ça mieux à centripète des graisses. Les membres ont tendance à s'engraisser, alors qu'il y a une obésité abdominale. Il y a un comblement des creux susclaves, un comblement du creux axillaire. D'accord? Il y a un faciès qui est lunaire. Nous, j'aime d'avoir un faciès lunaire. Enfin, une érythrose faciale. Tu vois, ma R, comme s'il n'est pas tognomonique. C'est ça, c'est le comblement des creux susclaves. Le creux, il y a en susclave. Le patient, il y a un syndrome de Cushing, mais il y a un creux. Ici, il y a les creux susclaviculaires. Le syndrome de Cushing, c'est un comblement par de la graisse. Les creux axillaires. Machin de creux axillaires, le patient, il est comblé par de la graisse. Quoi d'autre? Un faciès spinal lunaire, des membres qui s'engraissent, on a une amyotrophie. Le cortisol, il entraîne. Les vergetures pourpres, ça, il y a des vergetures qui sont pourpres, qui sont pathognomoniques du Cushing. Elles sont larges. Attends, je trouve qu'un petit schéma, un bâton, allez. Elles sont larges, elles sont pourpres. Ce n'est pas les vergetures là-dedans, c'est des vergetures qui sont épaisses, à karchen. Ou pourpres, qui m'ont carnet. D'accord, elles sont pathognomoniques, au niveau lombaire, en périmamelonnaire, dans la nez, à côté de la région, par les selles. Elles sont très pathognomoniques. Dans le chauffe-eau, un schéma. Prise de poids, de tour de taille. Hey, c'est l'obésité facio-tranculaire, en fait. Une peau fine et fragile. La peau qui est fine et fragile, oui. Une peau qui est fine et fragile, comme une fragilité capillaire. Zeda. Ça a des ecchymoses au moindre traumatisme. Et ça fait le bébé, ça fait une ecchymose, une ecchymose. Si je veux un prélèvement, dimanche, je vois le blast de prélèvement. Pour le patient, on va venir le blast de prélèvement. Quand une ecchymose, ça témoigne de la fragilité capillaire, c'est l'effet des corticoïdes sur du cortisol, les corticoïdes sur les vaisseaux. Enfin, ma fragilité cutanée en plus. Quand le patient qui est déjà, la cicatrisation prend beaucoup de temps. C'est la fragilité cutanée. Ah, très bien. B. Ça peut donner des douleurs osseuses. Ça donne une ostéoporose. Donc, juste ça, le patient. Mes patientes, elle a 36 ans quand même. Oui, ça y est, la puberté, Mad. Elle est hypertendue depuis 4 ans, donc l'éthiologie, elle évolue récemment, Mad. Mais je ne suis pas pubertaire. Ça donne des actions à le syndrome de Cushing sur le plan psychique. Qu'est-ce que ça donne? Chartier, syndrome dépressif, insomnie, c'est l'hormone de stress, c'est malouf, le cortisol. Oui? Ah, l'hyperaldo primaire, hein? Je suis là où je suis. On va récapituler. Un syndrome polyuropolydipsique, oui, très bien. Allez, je suis ma syndrome polyuropolydipsique. Là, est-ce que tu as? Je suis là. Physiopathe, là, c'est une physiopathe. Là, l'endocrino, là, elle connaît la physiopathologie. Quand tu as le physio, l'action, tu as des hormones, tu dis, tu as une pathologie, là. Normalement,
Allez, hein, la rétention d'eau. Hein? Par le biais de l'aldostérone. Hein? Mais, l'aldostérone, je suis l'action physiologique de l'aldostérone, je réabsorption de sodium. Avec deux K+, et le K+, ça hit. Donc, je suis avec hypokaliémie. Hakawale. HTA, c'est la rétention sodée. Je vais mettre le sodium. Et femme, je vais aller dans le syndrome polio. Je suis l'action de la potassium. Je suis l'action de la potassium au tube collecteur. Tu as l'action du potassium au tube collecteur. Il entraîne une résistance à l'action de l'ADH. Je dois dire l'hypokaliémie et l'hypercalcémie. Il entraîne une résistance à l'action de l'ADH. L'ADH est l'hormone antidiurétique. Métféhémine. Donc, comme une résistance à l'action de l'hormone antidiurétique, donc on va avoir un syndrome polyuropolydipsique. Polydipsique, c'est une polyurie plutôt. C'est une polyurie primaire. Le patient psychiatre, monsieur, je suis polydipsie. Métféhémine. C'est clair, voilà. Ça, c'est par le biais de la résistance à l'action de l'ADH au niveau du tube collecteur, qui est induite par l'hypokaliémie. Oui. Alors, quand on a résistance à l'action de l'ADH, je crois bien que l'action de l'eau, elle y atteint la rétention hydrosodée. Elle ne peut pas compenser la résistance avec. Il va compenser la résistance à l'ADH. L'aldostérone, il va continuer maintenant l'action en termes de la rétention hydrosodée. Oui, oui, je pense qu'il y a une rétention hydrosodée, il y a un excès d'eau. Hakawale. Donc, normalement, ça devrait stimuler quoi? Ça diminue l'action de la. Ça diminue la sécrétion de l'hormone antidiurétique. État d'hypervolémie. Ça va inhiber l'action de l'ADH. Donc, l'action de l'ADH est déjà inhibée. Ou comme elle a l'air, l'hypokaliémie. En plus, on a le facteur atrial natriurétique. Tu as l'hypervolémie. Tu as l'état d'hyperhydratation en l'hyperaldo. Tu as un phénomène d'échappement. Il y a. Le FAN, le facteur atrial natriurétique. Donc, les effets de l'alcool, ils vont entraîner, ils vont mettre la résultante, c'est le syndrome polyuropolydipsique. Néphrogénique, c'est un diabète insipide néphrogénique. Ou le patient, il va boire de l'eau pour compenser. C'est un équilibre très fin, entre sortie et entrée. Entre le FAN ou l'ADH à laquelle on résiste, entre l'action de l'aldostérone. Mais c'est clair. Merci. Oh, nafso. Donc, l'hyperaldo, qu'est-ce qu'on va rechercher? On a un syndrome polyuropolydipsique, je n'ai pas. Mais les troubles neuromusculaires, les homachnomas. C'est la traduction clinique de l'hypokaliémie, en fait. C'est des paresthésies et des crampes. D'accord? Des crampes et des paresthésies. B, le feio. Je suis le feio. Hein? Je suis le patient. Je suis là où je fais l'examen. Je suis ça mieux, Edika. Sueur, striate de Ménard. Très bien. On recherche déjà à la striate de Ménard. Oui. Oui. Je suis femme hypocalcémie. Je suis hypocalcémie. Allez, je fais ma hypocalcémie. Ma famille, j'ai hypocalcémie. Je comprends la femme hypocalcémie. Femme hypocalémie. Fais-je ma hypocalcémie, ma femme t'as. Tu peux les mettre hypocalcémie. Quand tu as fait Doha, je dois avoir ma deux étiologies responsables du syndrome du diabète insipide néphrogénique. Deux causes de résistance à l'action de l'ADH, l'hypocalcémie et l'hypercalcémie. Et donc, Mazouz, Hachin, deux étiologies de syndrome de diabète insipide néphrogénique.
de résistance à l'action à l'ADH. Dans le large, dans l'absolu, nous, les étiologies de résistance à l'ADH. Donc, la triade de Ménard, il y a céphalée pulsatile, des céphalées pulsatiles, des palpitations, des hajors, sueur. Donc, sueur, palpitations et céphalées. Des palpitations, on est en bas, sueur. Fièvre, bon. Voilà, c'est une HTA généralement paroxystique. Soit tu as HTA paroxystique, quand tu as le patient, soit une HTA permanente, il te fait des pics. À l'occasion, c'est dû à quoi le phéochromocytin? Sécrétion de quoi? Adrénaline et noradrénaline, c'est les catécholamines, d'accord? Donc, à l'occasion de décharge de catécholamine, il va te faire une HTA, un pic hypertensif. Donc, soit c'est une HTA permanente avec des pics, soit carrément le patient il est normotendu entre les crises. Chauffe-toi, il y a mal lorsque les crises, un pic à 24, mais entre les crises qui est pris, il est à 12. Il est normotendu. D'accord? Donc, c'est une HTA paroxystique. À chaque fois qu'il fait cette crise, il a une asthénie très importante en fin de crise avec pâleur de tégument et tout. Mais il y a une perte de poids, un amaigrissement. Le patient, il est rhinophéo, il maigrit. D'accord? L'acromégalie. L'acromégalie, c'est là. La dysmorphie faciale. Généralement, on compare des photos anciennes. Quand l'acromégalie, on retenait que c'est une pathologie qui s'installe de façon très insidieuse. Il y a un retard de diagnostic d'une dizaine d'années. D'accord? Donc, dis-moi, on compare par rapport à des photos anciennes. Je ne sais pas. Là. Non. On peut traiter l'HTA, mais le syndrome dysmorphique m'a été badache. Ça y est. C'est une. L'acromégalie de l'enfant. Elle donne un gigantisme. Ça met au gigantisme. C'est une croissance des os en longueur. De l'enfant, le cartilage de liaison, cartilage de croissance, c'est une fusion des cartilages. Donc, c'est une croissance en longueur. De sujet âgé, l'adulte, quoi, c'est une croissance des os plats. Donc, des os en largeur. Mais tout le shlabd, il y aura tout le kahawa, mais c'est une croissance des os en largeur. Les doigts, ils vont au bout du nez, ils vont épater. Le nez, ils vont épater. Enfin, un élargissement de l'arcade dentaire, on a des dents qui sont. Le front, il va aller avec un front colo. Élargi, voilà. Un prognatisme, le menton, c'est un syndrome dysmorphique qui est particulier. Il est dû à une augmentation des os plats. Avec le signe de la bague qui est très important. Quand on a une bague, la baisse à marcher, je vais la faire. Quand ma bague, il y a une augmentation de la pointure, tellement certes que toi, il y a une augmentation des pointures. D'accord? Ça n'est qu'on l'ilbis 38, 40, fi am, amine, ou l'ilbis 45. Ça attire l'attention. D'accord? Mais très bien. Donc, le phéochromocytome, on va rechercher les signes paroxystiques adrénergiques, c'est la triade de Ménard, avec les céphalées, les palpitations. On va chercher la perte de poids, l'amaigrissement, le malaise au lever, allez. L'hypotension orthostatique, c'est pathognomonique du phéo, là, l'hypotension orthostatique. L'acromégalie, donc un changement de la pointure, les signes de la bague, les douleurs articulaires, les sueurs nocturnes, ce sont des sueurs d'odeur fétide, là, qui sont particuliers. Des sueurs fétides. Ça, je suis la physiopathologie de la fouéchine, mais c'est des sueurs fétides, les des acromégales. Les paresthésies des extrémités. Le syndrome du canal carpien, oui. C'est une infiltration du canal carpien, le nerf médian. Va être comprimé, donc ça va donner un syndrome du canal carpien. Il y a le renflement nocturne. Donc, pour l'hyperaldostéronisme, l'asthénie, les troubles digestifs. Les troubles digestifs, c'est les signes d'hypokaliémie. Donc, les troubles digestifs, la faiblesse musculaire, les crampes, le syndrome polyuropolydepsique. Donc, c'est un syndrome d'hypokaliémie. Le Cushing, bien sûr, à part les signes d'hyperaldostéronisme, femme à la tendance dépressive, femme à la baisse de la libido, les troubles de l'érection. Le cortisol, il a une action inhibitrice sur tous les axes hypophysaires. Il entraîne un hypogonadisme, hypogonadotrope. Il entraîne une hypothyroïdie.
Il diminue la sécrétion de toutes les hormones hypophysaires. Il a une action freinatrice, inhibitrice sur l'axe hypophysaire. Avec Alèche, on trouve les troubles de la libido et la dysfonction érectile. D'accord? Donc, Alèche, à l'examen. Voilà, surtout le syndrome de Cushing, surtout les vergetures. C'est des vergetures qui sont pourpres, qui sont larges, qui sont pathognomoniques. Le faciès, vraiment, il est lunaire. Lunaire, qu'il gamram, d'awal qu'il gamram. Il est lunaire, il y a une érythrose faciale. Il y a la fragilité capillaire qui m'a trouvé que les échymoses. Ça retentit sur l'os, ça donne une ostéoporose. D'accord? Donc, la répartition des graisses qui m'apprennent dans le visage, l'érythrose, la fragilité cutanée, les vergetures, la myotrophie. Parfois, le signe du tabouret. Et voilà, il y a accroupi le patient. On lui demande de se relever sans faire un appui avec les mains. Mais il ne peut pas le faire. D'accord? C'est le signe de tabouret avec la famille. Surtout l'acromégalie. Elle dit une femme, c'est une photo de 9 salmes là, rien. On a 10 ans entre les deux photos. Vous voyez la différence? Il faut toujours comparer les acromégales à des photos anciennes. Hatta pour dater à peu près le début de la maladie. Ortech. Ta forme chauve-steak ou trousseau, des signes de chauve-steak, signes de trousseau. Donc, des signes, ta hypokaliémie ou la hypocalcémie. D'accord? Le chauve-steak, bon, le trousseau. Le trousseau, plus triste tension artérielle, t'as le patient. Terk. On va faire. Gonfler le brassard, voilà. On va gonfler le brassard. Il fait 12 ans, 14, par exemple. Je vais faire une main d'accoucheur. Mais ça me rend la main d'accoucheur. C'est les signes de trousseau. Le chauve-steak, on va percuter à mi-distance entre le lobule de l'oreille et la commission labiale. On va haka, non, une percussion haka. Ça va entraîner haka, des paresthésies au niveau du visage, au niveau de la joue. C'est le signe de trousseau. Chauve-steak. Ça témoigne de la présence d'hypokaliémie ou la hypocalcémie. Alors, l'autre patient, Chando, endodécéphalie. Il a des paresthésies des extrémités. Il a une asthénie, des troubles digestifs, une faiblesse musculaire, des crampes. On peut trouver les paresthésies comme signe d'hypokaliémie, c'est à la roi. D'accord? Sinon, il n'y a pas de troubles sexuels ou de troubles de l'humeur. D'accord? Donc, à l'examen, la tension, il n'y a pas d'hypotension orthostatique. Voilà, je crois que femme a d'hypotension orthostatique. Les, oui, hein. Femme. Hein. C'est quoi la définition d'une hypotension orthostatique? La systolique doit chuter de combien? De 20, 2 cm ou la 20 mm de mercure. Et la diastolique? Non, de 10. De 10. La diastolique doit chuter de 10 par rapport à un patient couché triste qui hier peuf. Elle doit chuter de 10 pour la diastolique et 20 pour la systolique. Votre patient m'a un douche, j'ai acheté une hypotension orthostatique. Hakawale? Ben. On a un signe de chauve-steak positif, un signe de trousseau positif, sinon pas d'hémotrophie, pas d'aspect cushingoïde, pas de triade de Ménard, pas de faciès acromégaloïde. D'accord? Donc, à ce moment-là, le diagnostic le plus probable. Vous êtes penché vers l'hyperaldo primaire. Mais, donc, l'acromégalie, l'hyperaldostéronose, la gémicole primaire ou la secondaire. Secondaire à la sténose des artères rénales, le syndrome de Cushing, le phéochromocyte. Donc, on peut les évoquer comme ça. À part la chromégalie ptachique, un faciès ou un syndrome dysmorphique qui est franc. L'hyperaldo, ça m'a des signes en faveur de l'hyperaldo. Le syndrome de Cushing, des signes cliniques en faveur, on doit faire un minimum pour l'éliminer. Prétaforme à les Cushing, ça m'a infraclinique. D'accord? On va les Cushing cycliques. L'agémiatique, une période, des signes, une période myatique. L'infraclinique, l'agémiatique, quelques signes, HACA discret, une HTA, où il y a le même retentissement que le syndrome de Cushing franc. Donc, il faut l'éliminer quel que soit. D'accord? Le phéochromocytome kiff-kiff, il faut l'éliminer systématiquement devant toute HTA. Ça met en jeu le pronostic vital, le phéochromocytome. On prévoit une chirurgie pour le traitement de l'hyperaldostéronisme.
Le chirurgien ne touche pas le malade sans méthanéphrine, sans avoir éliminé le phéochromocyte. Donc, quand tu as fait l'opération, il te fait un choc ou il décède. D'accord ? Quand on va, quelqu'un doit un excès de catécholamine, le patient. Supposons qu'on a le signe de l'hyperaldo, on n'élimine pas le phéo. Il y a de la femme à un phéo. Et tu as le phéochromocyte, donc tu as une décharge adrénergique importante. Le patient, tu as la qualité de choc. Sur table, maintenant. Donc, systématiquement, devant toute HTA secondaire, on élimine le phéochromocyte. Femme a des signes en faveur de l'enfant, l'HTA ou HADHA suffit pour justifier de rechercher un phéochromocyte. Mais tu es mineur. Ah, ma chouchou, j'ai l'IGF1, en fait, on le fait, l'Afrique en pratique, on peut avoir un dossier complet. Ah, ma ouazit, j'ai un syndrome dysmorphique. Donc, l'hyperthyroïdie, l'hyperparathyroïdie, bien sûr. L'hyperthyroïdie, on devrait rechercher des signes d'hyperthyroïdie. Je ne sais pas qui prend un tremblement enfin, des extrémités, une thermophobie, un amaigrissement, un goitre. Enfin, des signes qui sont francs, qui ont des points d'appel. En plus, ça donne uniquement une HTA et une HTA systolique. Votre patient a une HTA systolique et diastolique. D'accord ? L'hyperpara, kif-kif, on a d'autres signes, bal l'HTA. D'accord ? Alors, quelles sont les explorations donc, nécessaires pour retenir l'un ou l'autre des diagnostics ? Autrement dit, on a hyperaldo, primaire ou la secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Dosage de l'aldostérone, de la rénine et on va calculer le rapport aldostérone sur rénine. Il y a 64. Bien, très bien. Bien, fais-moi une chose à l'amour, Akbal. Et je t'en loue le feu, mais il y a qui fait l'hyperaldo. On doit faire une échographie Doppler des artères rénales. La sténose des artères rénales est responsable d'un hyperaldo secondaire. C'est-à-dire une sténose des artères rénales qui t'a amené comme terre. C'est bon, tu as le diagnostic. Mais le phéochromocyte, qu'est-ce qu'on va doser ? Les méthanéphrines plasmatiques ou urinaires. Les plasmatiques sont plus sensibles, ont une meilleure spécificité. D'accord ? Les méthanéphrines urinaires, ils trouvent leur place surtout en post-crise. Par exemple, le patient a mal avec une décharge. Je vois que c'est un problème qui décharge adrénergique. Tu as mal, tu as une crise paroxystique. On fait la collecte des urines, c'est vraiment très fiable. Tout l'excès de catécholamine sera vraiment, ça sera systématiquement éliminé dans les urines. C'est éliminé. Les urinaires, tu as dans l'hôpital, les plasmatiques, les. Donc, avec les choses, on dit, on hospitalise un patient, il n'a pas les moyens pour les faire privés. Ah, on m'a dit crise, tu collectes les urines terques. Le Cushing. Qu'est-ce qu'on fait pour le syndrome de Cushing ? Cortisol de base. Alors, ça, retenez, il y a tout ce qui est hypersécrétion. Une pathologie qui entraîne une hypersécrétion, les dosages urinaires sont très fiables. D'accord ? Tout ce qui est insuffisance, les dosages de base généralement suffisent. Donc, le Cushing, c'est surtout le CLU. Le diagnostic repose sur le CLU. Les mucons, 4 fois la normale. Mais aussi, on fait le cycle de cortisol. Le cortisol forme une sécrétion le matin qui est un pic de sécrétion matinale pour préparer le corps à la levée. Partez les femmes à une chute, forme un deuxième pic vers 16 heures. Il doit chuter de moitié entre 8 heures du matin et minuit. Tout à fait le physio normalement. Donc, on a un cycle du cortisol. Allez, tu fais syndrome de Cushing, c'est la rupture du cycle de cortisol. Puisque c'est une cause tumorale, adénomateuse tumorale, qui échappe au rétrocontrôle physiologique. Donc, il y a une rupture du cycle nictéméral, du cortisol. À 8 heures, il est élevé. Il est normal à 8 heures. À minuit, il est très élevé. Normalement, supposons qu'il y a 140. Il y a 70 dans le lit. Il y a plutôt 70. Il y a 75. Non, ce n'est pas normal. Il y a une rupture du cycle nictéméral. D'accord ? Enfin, bien sûr, les freinages. Les freinages. Plutôt, on va aller entre le polycope. Là, je vais l'acheter endocrinien, une fille vraiment une synthèse de tardisme pathologie. Ce n'est pas évident. Je sais, ce n'est pas évident de les assimiler en une seule fois.
C'est pas évident, on a fait un truc là. Mais on va voir. Hein. Donc, il faut savoir, il est dit, faire des explorations de base. Aham, avaf, l'email kalimi. Donc, on va faire l'ionogramme. Haka, wale. On va voir, femme, bhak, l'hypo kalimi, ou elle allait. On fait, la, bien sûr, sans garrot. Le garrot, ça va entraîner une lisse cellulaire, ça va augmenter le potassium. Mais tu es mis, wale. Bon, regarde le garrot, les nez, puisque sur l'arabe, puis ça, on le fait sans garrot. Elle entraîne déjà une hypercalémie. Ça va entraîner une lise cellulaire. Le potassium, c'est le calcium intracellulaire. Puisque cette lise sera éliminée. Le sang, j'ai une hypercalémie, une fausse hypercalémie. Donc, c'est sans garrot. La créate, avec calcul de la clairance, ce n'est pas pour le diagnostic, mais c'est pour le retentissement de l'HTA. J'ai un patient MTA, quand elle a l'HTA MTA, elle a entraîné une insuffisance rénale. Or, ta femme a des examens qu'on ne doit pas faire. Mais le malade, c'est fiable. Qui met le cortisol, par exemple. Urinaire, ou quoi, ils sont plus fiables. La glycémie à jeun. Allez, la glycémie à jeun. Mais j'ai des pathologies qui peuvent entraîner un diabète, un aim, les choses. L'hypercorticisme. Le Cushing. Le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante. Hakawale. Donc, c'est une cause de diabète secondaire. Que de diabète, vous me dites ? On a tout stage endocrino. On a tout stage endocrino, on a tout typage de diabète. Et les bébés, les amlou. Et les en cours, en tout cas, ce qui est sûr, on a le typage de diabète, awelna. Donc, ce typage de diabète, on a comme le diabète secondaire. Ah, kawale. À part le cortisol, à part le Cushing, je suis rien de diabète secondaire. L'hyperthyroïdie, par élévation, par augmentation de la néoglycogénèse, de la glycogénolyse, des hormones thyroïdiennes. Donc ça augmente, ça entraîne un diabète secondaire. Je connais qu'il entraîne un diabète secondaire. Ah, il y a l'effet diable, comme j'ai au bout, il y a un endocrinone, tout mal. Dès l'hyperpara, allez. Je demande les hormones de contre-régulation. Je demande les hormones hyperglycémiantes. Je demande les hormones comme je suis physio. Et GH, c'est une hormone hyperglycémiante, donc l'acromégalie, ça va entraîner. L'aldostérone, ce n'est pas une hormone hyperglycémiante. Alors, par contre, l'hyperaldo est une cause de diabète secondaire. Pas les kiffèches. T'as pas quoi. J'en parle comme là, comme tu fais mouche la physiopathologie, tu as le hage, impossible de te donner. Je t'en prie, tu as la preuve en nez. Lundi, tu as dit. Les autres, comme tu as la physiopathologie, là, c'est la base de l'endocrino. Donc, je te connais, le phéo. Les catécholamines sont des hormones hyperglycémiantes. Mais, ou l'hyperaldo primaire, qui fait échec? Lait, c'est une cause de diabète. C'est un diabète secondaire. Mais, par le biais de l'hypokaliémie. L'hypokaliémie, elle inhibe la sécrétion d'insuline. Elle a une action au niveau des récepteurs, au niveau de la cellule bêta. Elle inhibe. Qui m'a dit ilus paralytique, qui m'a dit des paresthésies ou des crampes, au niveau du pancréas, ça te prend. Donc ça va inhiber la sécrétion d'insuline. Et ça va entraîner un diabète secondaire. Donc c'est important de faire la glycémie à jeun, voilà. Oui. Le bilan phosphocalcique à l'aise. Pour éliminer l'hyperpara, l'hyperpara thyroïdie, c'est l'hypercalcémie, hein, kawale. Donc, on peut doser, bon, la PTH, mais généralement, on fait le bilan phosphocalcique 3 jours de suite, bien sûr, avec la vitamine D, qui est normal, c'est bon, le patient a une hyperpara. Le bilan lipidique, dès que, bien sûr, c'est l'enquête du syndrome métabolique, quel que soit, en plus, la GH, elle entraîne une dyslipidémie hétérogène. Le Cushing entraîne une dyslipidémie hétérogène. Donc, c'est pour voir aussi le retentissement. Mais rien. Donc, l'hyperaldostérone, l'hyperaldostéronisme primaire qui marque le dosage de l'aldostérone et de la rénine et calcul du rapport. Le syndrome de Cushing, on fait le cycle, le CLU, cortisol libre urinaire, le CLU. Hein. Le cycle de cortisol, la cortisolémie sous freinage, minute. Le phéochromocytome, c'est le dosage des dérivés méthoxylés urinaires et plasmatiques. Et bien sûr, l'échographie Doppler des artères rénales à la recherche d'une sténose des artères rénales. Alors, les conditions de réalisation.
بالنسبه للدوزاج تاع الدورين كيفاش يصير لو باسيون جينيرالمون نعملوه لو ماتان ديجا 2 heures après le lever à peu près le patient soit qu'il est debout soit qu'il est assis باهي on va doser l'aldostérone et la rénine on va calculer le rapport لازم يكون لو ريجيم لو موسوديش معناتها هذوما كلهم علاش ناتريوريز ما تكون سوبيريور ا 100 خاطر ناتريوريز اقل من 100 شوف تعمل الالدوستيرون inhibe la sécrétion d'aldostérone. Donc, on a mis des conditions de dosage, justement pour ne pas avoir des, voilà, un faux, des faux négatifs ou voilà, des faux positifs, justement. Mais une interférence avec le dosage de l'aldostérone ou de la rénine. Donc, toute condition qui pourrait inhiber ou voilà, augmenter la sécrétion d'aldostérone ou voilà, agir sur la rénine, on a des médicaments qui agissent directement sur la rénine. On devrait les arrêter. Donc, ce sont des conditions qui interfèrent avec le dosage, on devrait, ce sont des précautions de dosage, on devrait les appliquer avant de faire dosage interne. Puisque le rapport interne, il est fiable, il est interprétable. C'est clair, voilà. Comme la triorèse, on va être plus fort que lequel le patient, il prend des anti-aldostérone, comme l'aldactone, par exemple. C'est un diurétique anti-aldostérone. On doit l'arrêter au moins 6 semaines. Chaque jour, on se fait le dosage. Qu'est-ce qu'il y a au filtre IFC ou là ARA2 qui interfère avec la rénine. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les ARA2, ils interfèrent avec le dosage. Donc, il faut les arrêter au moins 2 semaines. Pareil pour les bêta-bloquants. On peut utiliser les inhibiteurs calciques. Bon, non, bah, ce n'est pas à votre stade, des alpha-1 bloqueurs. Le potassium, kiff-kiff, la kaliémie, on doit la corriger avant le dosage. D'accord ? On va corriger le patient décomprimé ou on va donner une perfusion de potassium pour corriger la kaliémie. Au moment du dosage, ça va être cool, 3.9, 3.8 minimum. Ça va être cool correct pour ne pas interférer avec le dosage. Mais tu fais mieux. Donc, on va parler de freinage. C'est quoi le freinage? Tu as fait un dexamétasone, freinage à la dexamétasone. C'est le rétrocontrôle, très bien. Mais, on a un excès de corticoïdes, on suspecte, c'est une tumeur qui sécrète en excès les corticoïdes, le cortisol. Donc, on a fait le patient du cortisol. Normalement, un sujet normal, le cortisol va exercer un rétrocontrôle négatif sur l'axe, il va inhiber la sécrétion d'ACTH. Donc, ça va inhiber la sécrétion des cortisol par les surrénales. C'est-à-dire, à l'état normal, un patient... D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a la prise de corticothérapie au long cours. C'est la cause d'insuffisance corticotrope. Plutôt, l'insuffisance surrénalienne, la corticothérapie au long cours va freiner l'axe, va freiner la sécrétion d'ACTH, partie qu'insuffisance corticotrope. Ah non, on va faire ça. On va inhiber l'axe. On va faire le dosage. On trouve le patient interne, est-ce qu'il freine ou elle l'est. Donc, quand il freine, c'est que la sécrétion a diminué. Ça élimine le QI. Lequel, au contraire, il ne freine pas. La sécrétion est élevée. C'est qu'il a un syndrome de QI. Femme Haja, qui n'obéit pas au rétrocontrôle négatif. Femme a le syndrome de QI. Pas de Slaujo, bien sûr. Slaujo, oui, nous, Slaujo, c'était H dépendant, elle est indépendant. Mais Awel Haja, probablement dosé le CTH, on confirme le syndrome de QI déjà. Mais tu fais mine. Donc, Nada. Allez, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il va faire? Sortir une petite dose de corticoïde, d'hexaméthasone, c'est rien alors pour freiner l'axe là. On ne te demande rien. Sortir de la dexaméthasone à 1 mg. Ta femme a des tests, 1, des tests, 2, des tests, 4. Ça dépend du type de freinage. Et juste pour raconter le principe, le freinage minute, le freinage faible et le freinage fort à la khat. C'est rien alors, c'est une prise à la halina, qui est faire. Alors là, le minute, je suis 1 mg à minuit, 2 comprimés de dexaméthasone à minuit, je prise à 8 h du matin. Allez, on choisit la dexaméthasone de V, c'est la seule qui n'interfère pas avec les dosages. Le panel, le dosage, mais il ne reconnaît pas la dexaméthasone. Il dose, il ne dose pas la dexaméthasone. C'est pour ça qu'on choisit ici. Alors, quand tu as trouvé, je suis prêt, je suis prêt d'isonone, je suis méthyl, prêt d'isonone. C'est uniquement pour ça. Quand tu as la dexa,
n'interfère pas avec le dosage. Donc, on va donner de la dexaméthasone. On va doser le cortisol. Est-ce qu'il freine ou elle est enfin, un seuil, bien sûr, tu as des études, ou un seuil international. Mais c'est le seuil de 18. À part le 18, il freine. Acte 18, il ne freine pas. Supposons qu'il ne freine pas à une minute. Le syndrome de Cushing, il est probable. On va le confirmer par un dosage, un freinage plus puissant, et il y aura le freinage faible. Le freinage faible, c'est parti. Un comprimé toutes les 6 heures, on va faire la collecte des urines, c'est comme qu'on a chanté que vous pouvez demain. Bon, je vous parle comme. Donc le freinage faible, c'est pire qu'un comprimé, colle cette assoie pendant 2 jours. Le dosage du cortisol le matin se fait J3. Alors que J2, on va faire la collecte des urines de 24 heures. On trouve le patient, quand est-ce qu'il a excrété dans ses urines, kiff, on m'a décelé. Il connaît donc pour éliminer le syndrome de Cushing, on va le confirmer, là, les freinages. Bien sûr, qu'il y a des infos, des interférences, il faut faire attention aux interférences. Il faut savoir qu'il y a des faux négatifs. Les patients obèses, les patients éthyliques, les patients déprimés. Donc déjà, un état d'hypercorticisme physiologique. Donc le freinage minute, généralement, il ne freine pas. C'est les pseudo-Cushing, Samir. Pseudo. Mouche Cushing, ou Cushing. Mandouche, une tumeur, voilà, haja. Mais c'est un état d'hypercorticisme endogène, physiologique, qu'on voit dans l'obésité, la dépression, l'alcoolisme. Hein? Dépression ou l'alcoolisme, ou l'obésité surtout. Métfémine. D'accord? Alors. Pour les dérivés méthoxylés, kiff, on a des conditions de dosage. Donc, de préférence, qui marquent avec les sans requis après une crise, il faut arrêter les alpha et les bêta bloquants et les bronchodilatateurs. Mais les dérivés méthoxylés plasmatiques, kiff, non, mais je vous en parle bien. Donc, notre patient, il a une glycémie à jeun à 1,24 g. Il a une hypo-HDLémie et son potassium, il a 3,2. Donc, probablement, c'est l'hyperaldo primaire le plus probable. D'accord. Le Doppler des artères rénales, il n'y a pas de sténose. Les dérivés méthoxylés plasmatiques sont normaux. La cortisolémie sous freinage minute, elle est à 10, donc il freine. Et on a un rapport aldorinine à 78. Donc il est élevé, il est supérieur à 64. Donc on est devant un hyperaldostérisme primaire. On a deux étiologies, l'hyperaldo primaire. Soit l'hyperplasie. Ça, c'est une sécrétion mégétine. Les deux surrénales sont hyperplasiques et sécrètent en excès. Soit c'est un adénome surrénalien. Qui fait qu'on va faire le diagnostic par le scanner. Le scanner surrénalien, je crois que est-ce que femme a un adénome qui est bien individualisé, une famille ou l'adénome de Cohn. Soit femme a une hyperplasie bilatérale des deux surrénales. Vous êtes fermé ? Qui a un adénome ? On va traiter par la chirurgie. C'est bon, tu vas éliminer l'hyperaldostéronisme. Quand on a une hyperplasie, on ne peut pas faire une suranatomie bilatérale. Donc, on va traiter par médicalement. On va corriger l'hypokaliémie. On va donner des traitements anti-aldostérone qui mal aspironolactone. Métfermine. Rapidement, le deuxième cas clinique. Hein? Donc, c'est une patiente âgée de 42 ans qui consulte pour des pics hypertensifs découverts récemment. Comme antécédent familial, il a des lithiases rénales, un ulcère et des nodules thyroïdiens. Il n'a pas d'antécédent personnel particulier. Il y a apparition de céphalée paroxystique depuis un mois, résistante au paracétamol avec acouphène. La tension artérielle au moment de la crise, elle est à 19-10. C'est une HCA qui est d'emblée sévère. On a une asthénie, un amaigrissement et des palpitations gênantes. Donc, 42 ans, âge inférieur à 45 ans, là, genre le critère interne, on a un âge inférieur à 45 ans, avec une HCA qui est d'emblée sévère et absence d'hérédité. D'accord, allez. Trois critères en faveur de l'HCA secondaire. HTA récente à l'âge inférieur à 42 ans. D'accord, c'est l'âge.
كي جيت 50 ans مش نقول اشتي سيكوندير اون بروميير كنلقى 50 ans ما عندي حتى شيء اخر باغ اكزومبل كومي مي انا اش افير 45 ans il faut y penser. Alors kif kif on va rechercher les éléments de l'interrogatoire et de l'examen clinique qui orientent vers une hypersécrétion de catécholamine. Chofni hom bik sont encore tardés. On a la triade de Ménard, les céphalées, les sueurs et les palpitations. Il faut rechercher un facteur déclenchant. Généralement, le phéochromocytome, les crises ferment un facteur déclenchant. Ça dépend de la tumeur où il est majouda. Quand la tumeur, je trouve majouda, fait sur Réna, mais je me trouve majouda ailleurs. D'accord ? Sur le trajet des chaînes sympathiques, le col. Je me trouve vésica. Pour des patients, ils font la crise à l'occasion de miction. Je me trouve abdomina. Le mois de traumatisme, un enfant est drapé par la cloche, elle te fait une crise hypertensive. Je coule le changement de position. La loge rénale, elle change de position, elle fait une crise. Je coule la prise de médicaments et surtout les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, ils déclenchent les crises. Ça rate les patients de Hedoma. Ils chauffent des médecins pour les palpitations et actuellement des bêta-bloquants. C'est un facteur aggravant des crises. Les crises sont plus rapprochées et des tensions artériques sont plus élevées. Alors, elle présente une fièvre, des nausées, des douleurs au niveau de l'abdomen, du thorax, des jambes pendant les crises. La crise y est une marée ascendante, ça n'ira. Teste la patiente qui a une chaleur ascendante, ne s'appelle pas le four. Les membres inférieurs jusqu'à le remonte jusqu'au thorax, au niveau de la tête, avec des céphalées, des palpitations, des sueurs. Elle dure quelques minutes. Il forme une résolution spontanée. Généralement, à la fin de la crise, il y a une asthénie très importante, une débâcle uréique, une valeur de tégument, une asthénie profonde. D'accord ? C'est l'asthénie post-crise. Alors, pendant la crise, donc à l'examen, bien sûr, il faut prendre, si jamais la patiente a une crise, si on a la chance, enfin, entre guillemets, la chance, d'assister à la crise, on prend la tension artérielle au moment de la crise. Et bien sûr, il faut la prendre même entre les crises. Idéalement, on fait un holter tensionnel. Et bien sûr, il faut rechercher l'hypotension orthostatique avec une hypatognomonique du phéochromocyte. Alors, on va rechercher bien sûr la perte de poids. Donc, notre patiente. Femme une triade de Ménard déclenchée par l'émotion. Femme une grande asthénie post-crise. La tension artérielle en dehors de la crise. Elle est à 13. À 135, 78. Pratiquement, on n'est pas hyper tendu. Et au moment de la crise, on assiste à une crise avec une tension à 20, 15. Ils font même des tensions à 24 et à 27 mm de mercure. Centimètres de mercure. D'accord ? C'est des HTA très malignes. L'auscultation cardiaque est normale. Le rythme, il est régulier, sinusal. La palpation, je vais retenir comme douce de l'abdomen. Généralement, douce, hein. Généralement, un patient, je suis tombé dans le service, j'ai beaucoup de patients, je suis des patients Covid, mais généralement, quand un patient suspecte le phéochromocytome, on le met à la farchou, pas de palpation. La palpation, elle peut déclencher une crise. Alors, les examens biologiques, d'orientation et de confirmation. Mais je crois qu'on avance. Donc, on va voir la glycémie. L'hyperglycémie est fréquente chez le chromocytome. L'hypokaliémie, le phéo est une cause d'hyperaldostéronisme secondaire. Les catécholamines stimulent la sécrétion d'aldostérone. Donc, c'est un hyperaldostéronisme secondaire. D'accord ? Pardon, moi, je l'aldostérone, la rénine. Une action sur la rénine. Donc, on va augmenter la sécrétion de rénine. On va augmenter la sécrétion d'aldostérone. Donc, là, le rapport aldorénine, il faut savoir qu'un rénine élevé, ou aldo élevé. Donc, je sors qu'aldo élevé, rénine basse. Axe hyperaldo primaire. Donc, la calcémie, c'est plutôt normal ou augmenté. Mais bon, l'NFS n'a pas une polyglobulie. Donc, les confirmations, c'est les dérivés méthoxylés. Métaphénine, métaplasique, plasmatique et urinaire. Donc, mais allez, les conditions du recueil, la position couchée, aux 30 minutes de repos, bras nuls en place, allez, c'est dans l'alcool. Pour ne pas déclencher, à part la décharge, le stress. Le stress, il va augmenter, même les patients, ils coulent au repos. La bras nuls en place, je peux demander que d'agadi, car ça entraîne un stress. Parce que déjà, il va être stressé, ça va augmenter la sécrétion de catécholamine. En plus, l'émotion peut déclencher une crise.
D'accord. Donc, on va voir la sécrétion, qui fait la sécrétion de base, même en dehors de la crise. Je ne sais pas, élevé, quel que soit. Mais, on avance. Donc, hyperglycémie, hypokaliémie, pas de, la fonction rénale est correcte. Les dérivés méthoxylés urinaires sont à 3,6 mg de 24 heures. Ils sont élevés pratiquement 2 à 3 fois la normale. Le diagnostic de FEO est confirmé. Quels sont les examens morphologiques à réaliser? TDM surrénalienne à la recherche d'un adénome, d'un nodule surrénalien. Ouais. Doppler rénal. Doppler rénal. On peut le faire, mais il y a un FEO franc, avec les métallophrines plasmatiques qui sont élevées. Mais normalement, on devrait le faire. Devant tout, HTA avec hypokaliémie. C'est le Doppler des artères rénales. Mais aham, il y a de l'alcool. Le FEO chromosome, le jumicoule surrénalien, ou elle-là extra-surrénalien, on peut le faire. Le jumicoule unique, ou elle-là multiple. On peut avoir des FEO multiples. On peut avoir des phéochromocytomes malins. Donc, je vous narme à part le scanner, la scintigraphie MIBG, c'est mieux. C'est un traceur, il est où l'MIBG. Donc, c'est le méta-iodobenzyl-guanidine. Je dois MIBG, scintigraphie à l'MIBG. Permet de localiser les tumeurs petites, ectopiques, multiples et métastatiques. D'accord? C'est clair ou allez? Métastatique, je parle des tissus qui normalement ne fixent pas normalement un tissu qui ne fixe pas l'MIBG. Tant qu'il y a une fixation de l'MIBG, c'est que c'est malin, c'est métastatique. D'accord? Mais... Bon. Méthémine. Dans notre patiente, on a une tumeur surrénalienne gauche. Pareil, tu veux faire la tumeur qui refoule le pôle supérieur du rein. Donc, on a une tumeur surrénalienne. La MIBG n'a pas montré d'autres lésions. Alors, quelle est votre conduite? Question où on le fait au chromosome? Il faut l'opérer. Voilà, on va l'opérer, bien sûr, après une préparation médicale. Par les alpha-bloqueurs, on ne peut pas associer les bêta-bloquants. On ne donne pas les bêta-bloquants en premier, mais on peut les associer par la suite aux alpha-bloqueurs. D'accord? Bien sûr. C'est la surrénalectomie. Il faut faire très attention. C'est une réanimation qui est très fine. Vraiment, le patient a déjà mal qu'un état de choc. Résume une préparation bien importante. Une bonne réhydratation enzymatique avec des remplissages. Il faut savoir, Edith Lefeo, on n'est jamais sûr de sa bénignité. Donc, il faut vraiment garantir un suivi à vie, pratiquement. On parle de minimum 10 ans, mais c'est un suivi à vie. Il peut récidiver. Lequel, au cours de l'évolution de avec le patient, supposons déjà en post-opératoire l'HTM PNAHATCH. Il faut voir suspecter les formes multiples. Refaire la scintigraphie, refaire le dosage du dérivé méthoxylé et dérivé méthoxylé et refaire la scintigraphie. Je me trouve une tumeur tellement fine, tellement petite, qui a échappé à la fixation. Il y a une réapparition de l'HTA en post-opératoire. C'est une récidive. Il faut penser à la récidive, d'accord? Voilà, c'est comme ça. Ça nous l'appelle. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est, Thomas? Jesser. Lina. Nouhé. Hiba. Hiba. Absent. Yasmine. Fadwa. Ahmed Kelly. T'as quoi? أميرة؟ الهين؟ ميسا؟ محمد خليل؟ محمد أنور؟ مالك؟ وليهين؟ ما شكون معي كلوش راه ما شكون حضر هو ماش في الليستة؟ آي مسيش خاطر قاعد بيتها قال لي الليست فيها كان زيد